deux équipes qui vont croiser le fer aujourd'hui. Ils ne sont pas n'importe lesquelles. Hein. Le programme est alléchant. On en parle tout de suite sur eSport. Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce stade pour cette nouvelle rencontre de football qui va nous occuper. C'est Hervé Matou, spectacle en perspective aujourd'hui avec cette rencontre de première ligue anglaise. Les spectateurs sont chauds bouillants, il y a des points à prendre, de la motivation pour le reste de l'année. J'ai certainement hâte que le match commence, moi aussi, pour tout vous dire. Le coup d'envoi à l'instant. Il s'infiltre, attention. Ouais, ce sera pour personne, hein, ce centre, dommage. Le ballon en profondeur. Oh, on prend sa chance. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Ah, il est bien tiré le corner là. Oh, la tête. Pas cadré, mais alors pas du tout. C'est un grand jour pour lui. Josh Onoma. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Taylor. Robson. Neugart. Récupération et peut-être une action dangereuse. Le dégagement pour éloigner le danger. La passe est interceptée. L'action qui se poursuit. Taylor. Il va pouvoir centrer. Ouais, bien pris la défense. Le ballon qui change de camp. Allez, l'occasion peut-être de mener. Pas de souci pour le gardien. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Allez, faut centrer vite. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Oh, elle est au fond! Ça fait 1-0. Grosse douche froide ici avec cette ouverture du score des visiteurs. On voit le corner qui a mené le but. La reprise de la tête. Qui ne laisse aucune chance. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Neugart. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Robson. Allez, il continue. Ça part au deuxième poteau. Allez, le but. Oh, le but, ils égalisent, bien joué.
voit cette séquence de passe qui a amené le but. Timing parfait pour conclure de la tête. Et ils égalisent donc un but partout. Oh, la faute, oui, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Une, deux. Bien défendu. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Interception. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Un petit peu d'espace devant lui. Ça part dans le paquet. Oh, le bel arrêt! Quel bel arrêt! Même si, de toute façon, il y avait hors-jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Donc, il sort, ce sera une touche. Frappe surpuissante et le but! Oh, magnifique! Et on voit cette frappe au ralenti, cette trajectoire rectiligne impressionnante du grand art. Et 2 buts à 1 donc maintenant. C'est bien ce qui me semblait, hein, la possession du ballon est bien du côté de l'équipe locale. Le problème, c'est que pour l'instant, cette équipe ne trouve pas la solution. Elle aura du mal à revenir au score si elle ne prend pas un peu plus de risques. En position idéale pour centrer. Ça, c'est un bon ballon récupéré. On va peut-être assister à une contre-attaque. Le contre un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Passe directement dans les pieds de l'adversaire. Il est en train de remonter. Et attention là, avec ses chats en solitaire. Le gardien qui repousse, attention! Parce que cette faute va lui valoir un avertissement. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Robson. Il avance balle au pied. Le centre, maintenant il est contré. La fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1. Début de la seconde période à l'instant même.
Il s'avance vers la surface. Robson. Ah non, le ballon est perdu. Ballon qui est intercepté. Club de West Ham qui a réussi à décrocher le joueur que beaucoup d'autres clubs ont convoité. C'est désormais officiel. Le montant de la transaction a de quoi étonner quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas perdu grand-chose de ses qualités quand même. Il a le gardien qui repousse, ça peut revenir. Pressing pour mettre le porteur en difficulté. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe complètement à l'adversaire direct. Tout seul face au gardien. Oh là là, quelle occasion ratée. Quelle occasion ratée et quel dommage, parce que ça aurait fait 2 buts d'avance et ça changeait tout. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Vous connaîtrez le rendez-vous de tout à l'heure. Vous serez nombreux certainement à le suivre. Cette équipe qui devrait nous offrir un spectacle comme on les aime. On va observer quand même la décision de l'arbitre. Il va être remplacé. Et le fait qu'il ait copé d'un carton jaune tout à l'heure joue certainement un rôle dans cette décision. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. La passe est coupée, bien défendue. Non, ce sera pour le gardien adverse finalement. Progresse bien là. Il essaye de trouver la faille. Ouais, cette fois c'est dans les buts qu'on a eu le dernier mot. Ça ne sera pas tout de suite pour le doublé. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Petit rappel sur la rencontre alléchante qui nous attend tout à l'heure. Petit rappel sur votre écran, le match à ne pas rater, on ne le ratera pas. Je sens qu'on va vivre encore un grand moment avec ce match, hein, c'est sûr. Neugart. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Nicolas Bourou. Oh, pas évident ce hors-jeu. Ça doit se jouer à pas grand-chose. La passe aérienne, pas mal. Et là, c'est gâché. Ça s'est plutôt bien passé défensivement jusqu'à présent, malgré le but encaissé. Ce score de 2 buts à 1 suffirait à leur bonheur, c'est sûr. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon.
Adara Bioyo. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Ballon qui circule bien. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Finalement, il revient à la faute. Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. Il y va tout seul, énorme occasion. Ah non, ils n'ont pas le droit de gâcher une occasion pareille. Ah, le public qui pousse, l'égalisation qui n'est peut-être plus très loin. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Alors que va dire l'arbitre après cette faute? Substitution for Fulham, coming off the pitch, number 16, Tosin Adarabayo, to be replaced by number 43, Steven Sessegnon. Attention à cette occasion, l'une des dernières chances pour égaliser. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Et le gardien qui donne de l'air. Il y a aussi le match à l'Emirates Stadium qu'on suit avec un but qui vient d'être marqué, c'est ça? Oui, oui. Le face-à-face, attention. Attention à cette occasion. Ouais, le but, oh, quelle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Bon centre qui a amené le but. Ensuite, le buteur qui profite. Le défenseur trop passif. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, c'est bien cette talonnade. Il avait bien senti le coup. La faute, carton peut-être. Et le joue à deux. À le tir. Et c'est la barre qui repousse, ce n'est pas terminé. Nicolas Gourou. Et voilà la fin du match qui est sifflé à l'instant même. Et la grande joie de l'équipe visiteuse qui vient prendre 3 points chez sa rivale. On a senti qu'il ne pouvait pas arriver grand chose à cette équipe. Les regards vont être beaucoup braqués sur lui aujourd'hui. Il a parfaitement démarré sa saison avec des buts à l'appel. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Salut à toutes et tous, merci d'être à nos côtés pour suivre ce match. Commentaire, c'est moi, Hervé Matou, que vous allez retrouver. Enfin, c'est pas très surprenant.
spectacle en perspective aujourd'hui avec cette rencontre de Première Ligue anglaise. Fulham contre West Ham. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. En tout cas, moi, je suis prêt. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Faute, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Manuel Lanzini. Oh, il a vu son partenaire bien jouer. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il se dispute ce ballon. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Ouais, pas de problème dans les gants. Aussi. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Ouais, il renverse le jeu. Ouais, la bonne intervention, très efficace là de la défense. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes, il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Ouais, l'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match. Une manière également de garder le contrôle sur cette partie. Ils vont pouvoir jouer la touche. Chercher une solution là. Alors c'est pas du tout cadré, vous l'avez vu. C'est bien de frapper, mais parfois c'est bien de s'abstenir également. Masuaku. Lanzini. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ouais, il perfore la défense. Oh, quelle occasion c'était. Quelle occasion c'était ce face-à-face. Et le ballon finalement capté sans trop de problèmes. Il est bavard. Il faut trouver une option disponible. Avec un tir. Non, non, ça ne passe pas. Aussi. Please contact your nearest security guard. Thank you. Ah, il n'avait pas le choix, il fallait vraiment qu'il revienne. C'est fluide ce que font les joueurs de West Ham en ce moment. C'est bien joué défensivement, bien vu. Alors, carton ou pas pour cette faute? Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Centre peut-être, allez. Oh, mauvaise relance. Masuaku. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Qui sort, ce sera une touche.
en position idéale pour centrer. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Benjamin Pavard. Il n'y a personne pour contrarier les joueurs de West Ham sur le côté. Chercher quelqu'un avec ce centre. Et c'est l'ouverture du score. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Un bon ballon d'attaque. Le ballon qui sort, touche. Lanzini. Benjamin Pavard. Saliba. Lanzini. Benjamin Pavard. Va-t-il parvenir à centrer ? Ah non, le ballon est perdu. On est en train de remonter le terrain. C'est dans le paquet. Un mauvais dégagement, mal fait. Ah, la parade du gardien. Corner, ça faisait longtemps et les supporters ont compris que peut-être leur équipe pourrait égaliser là-dessus. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment d'en gagner les vestiaires, 1-0. Début à l'instant de la seconde période. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Lanzini. C'est fluide, hein, ce que font les joueurs de West Ham en ce moment. Allez, on redouble les passes. Lanzini. Oh, bien défendu, ça aurait pu être chaud. Joli coup pour Manchester United que l'arrivée de ce grand espoir du football. Ça, c'est un joueur qui devrait quand même beaucoup apporter sur le terrain, dans le vestiaire également. C'est parti des joueurs qui comptent dans un vestiaire. Mais ça fait un petit moment que les émissaires du club le suivaient. Intervention parfaite. Une balle d'égalisation. Ouais, le bon arrêt là qui éloigne le danger. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Alors, vous savez qu'il y a un autre rendez-vous très 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 intéressant, très attendu tout à l'heure, à suivre avec nous également. On en a de la chance, hein, on va pouvoir assister tous ensemble à cette belle rencontre. Il avance balle au pied. Le centre en retrait, attention, la bonne frappe, attention, attention à lui, et le but, et les deux équipes qui se retrouvent à égalité. On
On voit cette excellente inspiration, ce centre en retrait, toute la défense prise à revers. Ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et voilà donc à égalité, un but partout. Benjamin Pavard. Il progresse. C'est pour Nicolas Vlasic. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Il y a beaucoup d'envoi de ce match. On suivra également ensemble. Grand rendez-vous. Ce sera un vrai bon match qui nous attend dans quelques minutes maintenant. Benjamin Pavard. Nicolas Vlasic. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Le Stade qui pousse son équipe vers le but adverse. Il faut absolument gagner aujourd'hui. Attention, ça peut devenir intéressant. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Masuaku. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. La tête est propre, les ballons toujours en jeu. Nicolas Vlasic. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ah, la bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Occasion de prendre l'avantage. Oh oui, le but! Un but important qui leur permet de mener dans ce match. Ouais, il était quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Non, elle est interceptée cette passe. Masuaku. Attention, ça peut être dangereux. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Allez, touche. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Aussi. Et on a dégagé pour écarter le danger. Passé par-dessus. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Aussi. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Voilà, belle passe du talon. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Nicolas Vlasic. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Masuaku. Nicolas Vlasic. Allez, faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. C'est terminé. Cette équipe qui empoche donc les 3 points devant son public. C'est clair que la victoire est étriquée, mais elle est là et c'est le plus important.